Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales, ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Et on est heureux de retrouver le football belge et ce match de Pro League, la Gantoise contre Charleroi. Et encore un nouveau match à vous proposer, mais un match de football ce n'est jamais pareil, le suspense toujours garanti. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Il faut qu'il prenne sa chance là. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Un corner qui est bien ajusté. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre... Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Et voilà un jaune très tôt dans le match. L'arbitre s'impose d'entrée. Oui, pour l'arbitre, c'est une manière de dire que pendant ce match, ce sera tolérance zéro. C'est maintenant au protagoniste de maîtriser leur nervosité et de s'adapter surtout. Ce coup franc était presque parfait. Ça passe vraiment tout près du cadre. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de sa part. Son doublé au dernier match, c'est comme une injection de confiance. Ouais, le ballon est bien intercepté. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Il y a de l'idée sur le centre, mais c'est pour le gardien. Bien fait ça, sans faute. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Il prend sa chance, intervention du gardien.
coup de pied arrêté, joué en deux temps. Oh, la bonne parade. Ballon bien dégagé. Oh, et c'est bien servi. Oh, le super geste défensif. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. C'est un ballon qui est récupéré. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Et la frappe. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Et oui, il est récupéré ce ballon. Attention à cette passe. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Bonne séquence de possession là. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Et attention à cette frappe. Et un ballon capté sans problème. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale, mais la possession pour la possession, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir mettre en évidence un changement de rythme dans la transmission du ballon. La possession est utile à partir des passes et des déséquilibres, mais les passes de protection, de sécurité, ne sont pas assez dangereuses. Impeccable le timing, l'interception est magnifique. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ah, il faut tirer maintenant, attention. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Très bonne parade qui vient sauver le nul sur cette action. Et après ça, peut-être une bonne réaction maintenant. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction, il n'y a rien qui va dans cette frappe. Allez, il faut lever la tête maintenant. Et ce ballon est finalement intercepté. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. C'est une bonne séquence d'attaque placée.
Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Attention, pour mener au score peut-être. Et le gardien s'emploie comme il faut. Corner. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Un corner peut-être pour prendre l'avantage. Et le changement est demandé et il a lieu. Petite astuce, c'est jouer court. Et c'est une remise en jeu à venir. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Ça, c'est un bon giron entre les lignes en attendant le décalage. Et non, ce ballon-là qui va changer de propriétaire. À la récupération haute, bon pressing. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Facile dans les bras du gardien. Et le ballon est finalement intercepté. Et ce ballon qui leur échappe. Ballon facile pour le gardien. Grosse pression, attention! Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Et ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur.
la bonne percée. Il faut aller provoquer. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Et ça peut être dangereux. De la récupération du ballon à la conclusion, tout était vraiment bien fait. Même si ça manque la justesse technique à la finition. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Les statistiques, elles nous disent que c'est un match où les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui agite l'imagination. L'émotion, elle vient du risque, de la créativité, du rythme, de l'intensité. Ballon rendu à l'adversaire. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et voilà une interception décisive sur ce mouvement très dangereux. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Bon espace à utiliser sur le flanc de la défense. Il prend sa chance à ses limites, mais c'est une position de hors-jeu signalée. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et vu le peu de temps qui reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. À quel geste ! La transmission est coupée in extremis. Et le contre est possible maintenant. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. L'action est remarquable du début à la fin, mais il manque le plus important. Et le plus important, c'est quoi ? Il manque la précision pour finir cette action. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Eh oui, c'est bien défendu. Le but du chaos est très proche. On joue maintenant les dernières minutes. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Avec un peu d'espace sur son aile. Et le ballon rendu à l'adversaire. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Et c'est terminé, donc l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire sur ce résultat nul.